Le nouveau parti anticapitaliste a lancé aujourd'hui sa campagne pour les régionales. La liste sera conduite par Myriam Combet, élue en 2004 sous l'étiquette du PC. Côté programme, le NPA propose notamment la gratuité dans les transports publics et une pénalisation des entreprises qui licencient. Dans un premier temps, une alliance était prévue avec le Front de gauche, mais le NPA y a finalement renoncé. La tête de liste du mouvement est au micro de Marion Berchet et Ismaël Geoffroy. Le projet qui est défendu par le Front de gauche aujourd'hui, c'est un projet d'alliance de second tour avec le Parti socialiste. Or, nous, et notamment à la lumière du bilan qu'on peut tirer de 6 années de mandat sous domination sociale-libérale, de notre point de vue, on ne peut pas espérer mener des politiques de rupture avec le Parti socialiste. Et de ce point de vue-là, on considère que l'indépendance vis-à-vis du Parti socialiste, elle doit évidemment être au premier tour, mais elle ne doit pas durer que le temps du premier tour. C'est-à-dire qu'elle doit s'inscrire dans la durée, y compris au second tour.